Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les Treatles. Good morning. Yeah. Ça va? Bon, le contraste sera de mise, mais on se réjouit beaucoup. Ok, alors, pour Twister and Shout. We're shaking a baby now. Shaking a baby. Shout. Come on, come on, come on, come on, baby now. Come on, baby. Come on, I'm working on out. Working on out. Hey, we working on honey. Working on honey. You know you look so good. Look so good. You know you know when going out. Going out. So just like I know you would. Know you would. We shaking a baby now. Shaking a baby. Twist and shout. Twist and shout. Merci. Thank you very much. She loves you.
quand ils ont passé pour la première fois au Royal Albert Hall à Londres, on avait dit à John Lennon, écoute, tu parles pas trop parce que, tu vois, il y a la reine qui vient vous écouter, etc. Alors lui, il avait trouvé la bonne idée de dire aux gens qui étaient aux places bon marché, vous qui êtes en bas, dansez, tapez dans les mains. Vous qui êtes à la galerie, contentez-vous de secouer vos bijoux. Alors si vous voulez secouer vos bijoux, taper dans les mains, you're welcome, ok? Close your eyes and I'll miss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I always be true. And then while I'm away, I write home every day. And I send all my loving to you. I pretend that I'm kissing. Ok, ça c'est le tout premier succès des Beatles. Alors tout le monde dit, oh c'est Love Me Do. Oui, c'est le premier single. Mais ce qui les a fait rentrer aux États-Unis, c'est cette chanson-là, le manager ayant pu ouvrir Brian Epstein, la carrière des Beatles, en 1964 aux États-Unis avec ce morceau, Je veux te prendre par la main. Something I think you understand. When I got something, I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. Oh, please say it to me. Do let me be your man. And please say it to me. Don't let me hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that I love. I wanna hold your hand.
yesterday. All my troubles seem so far away. Now I look, it is in game to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. That shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong. No, I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong. No, I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Oh, I need a place to hide away. Oh, yesterday came suddenly. Thank you very much. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today. I never needed anybody helping anyway. But no, these days are gone. I'm not so self-assured. I know I find, I change my mind. I opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. So many ways, my independence seems to vanish in the haze. But every note, and I feel so insecure. I know I find the need you like I never known before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back. Won't you please, please help me? When I was longer, so much younger than today, I never needed anybody helping anyway. But now this day's been gone, I'm not so self-assured. I know I find, I change my mind, I opened up the door. Merci beaucoup. Les chansons des Beatles ont cet avantage qu'elles sont courtes.
day after day, along on a hill, a man with a foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they consider you just a fool. And he never gave an answer, but a fool on a hill, seeing the sun going down, and he hides in his head. See the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, man with a dozen voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him on the sun. Merci. Merci beaucoup. Quand ils ont arrêté de faire des tournées en 1966, parce qu'ils commençaient vraiment à ne plus pouvoir reproduire sur scène ce qu'ils faisaient en studio, des effets de bande à l'envers, de multiples instruments et des choses incroyables pour l'époque, ils enregistraient sur des 4 pistes. Hein. Quand les 3 premières pistes étaient pleines, on bounçait, on copiait les 3 pistes sur la 4e et on pouvait de nouveau enregistrer sur les 3 pistes suivantes, on faisait des reports de pistes. Et en fait, Paul McCartney a eu l'idée de dire, écoutez, finalement, on est ce groupe, les Beatles, évidemment, c'est génial, mais et si on essayait d'être un autre groupe, un espèce de la fanfare des cœurs heureux, quelque chose comme ça. We'll be right back.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade sky. Somebody calls you, you answer quite clearly, a girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. You spend a darkening the world shore, waiting to take it away. She's gone. Picture yourself on a train in a station with blasphemous porter with looking glass ties. Suddenly someone is there at the stern style, the girl with kaleidoscope eyes. Merci. Something in the way she moves attract me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around now, it may show. I don't know.
think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Merci. Bon, ça c'est un truc pour taper dans les mains à certains moments. Parce que Lennon, il aimait tellement son amoureuse qu'il disait, finalement, je vais t'aimer 8 jours par semaine. C'est pas mal, ça, hein? Vous tapez bien dans les mains. Le masque, il n'y a rien fait. Hein. Franchement, ça fait plaisir de vous voir. Non, mais si participatif. Thank you very much, vraiment. Very, really, bien early. Je ne sais pas comment on dit. Bon, en deux mots, c'est une chanson que John Lennon avait écrite pour lui tout seul. Et puis en fait, comme il a appris que ses copains retournaient encore au studio, alors que le disque Let It Be n'était pas sorti, il l'a enregistré en janvier 69. Les sessions s'appelaient les Get Back Sessions. Il y a bientôt un film qui va sortir là-dessus, que je crois qu'il sera très intéressant de voir, sur 25 jours qui ont été filmés en studio. Et bref, donc le disque ne sort pas, mais il retourne en studio. Et puis il dit, bon, bah, ok les gars, j'ai une ou deux chansons, mais il l'avait écrit pour lui, parce qu'il voulait soutenir un mec en politique aux États-Unis pour dire « Venez, rassemblez-vous pour voter pour lui ». C'est ça, à la base, de la chanson. Chou. Chou.
Merci. Là, c'est la chanson peut-être la plus longue, mais non, il y a quand même Edge Jude qui est très longue. Hein. Ouais, c'est la deuxième plus longue, celle-là. Ouais. C'est la deuxième plus longue. Ouais. Laquelle est la plus longue alors? Je pense que c'est Edge Jude la plus longue. Okay. Mais celle-là, ça dépend si on peut la jouer encore plus longue que. Plus longue que non, mais pas. Non, j'ai pas dit plus longue. Toi, t'as toujours l'esprit mal tourné, Pascal. Comme tu veux. On va le jouer, on va le jouer en très très longue queue. Ok. I want you. I want to see.
Merci. Là, c'est la première chanson que les Beatles ont enregistrée en studio, c'est ça, hein? Oui. Ouais, et puis je pense qu'ils ont dû faire appel à un immense écrivain pour écrire les paroles. En fait, ils sont partis d'un poème de Rimbaud qui disait « Aime-moi, tu sais que je t'aime, je serai fidèle. » C'était Rimbaud. John Rimbaud. John Rimbaud, ouais. C'est Rimbaud plutôt. Ça colle, hein, Rimbaud. Il aurait pu écrire ça en français, Rimbaud. Ok. Merci. On se demande si ça passerait encore aujourd'hui. C'est sympa, on va pas critiquer. Hein. Bon, bref, à un moment donné, ils se sont demandé si chercher quelqu'un pour conduire sa voiture. Vous savez que les Treatles, en fait, on a commencé au début, on s'est dit, en fait, le tout premier essai qu'on a fait, c'est ici à l'Esprit Frappeur en 2008. Et puis, on s'est amusé à reprendre les chansons des Beatles en différentes langues, en français, en allemand, en espagnol. Vous savez que les Beatles ont chanté aussi en allemand. Hein. Le She Loves You, ça, si vous allez chercher un petit peu partout, il y a des versions qui s'appellent Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Ou bien Komm und gib mir deine Hand. Yeah, yeah, yeah. Vous trouvez ça, vous savez, ils ont commencé en Allemagne et tout, on ne va pas refaire toute l'histoire. Et ben voilà, ben à un moment donné, ben ils cherchaient
quelqu'un pour conduire leur voiture. Et ça a donné « Drive my car ». Ask a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I want to be famous, the star of the screen. But you do something in between. Maybe you can draw my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can draw my car. Ben non, Yellow Submarine, on n'a pas la paille et puis le verre d'eau pour les bruitages. Et puis il n'y a pas de fanfare derrière, c'est dommage. Et puis il y a plein de plastique dans la mer. Oui, il y a plus, non, ça va. Mais bon, on va faire la dernière chanson qu'on avait prévue. Il y en avait tellement. On avait encore 3 heures de spectacle. Ça les rappelle. On peut pas vous dire qu'on a notre dernier disque à vendre, ça se fait pas. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey,
Pascal, Laurent, Étienne, Yves. Merci beaucoup. Et un grand merci à l'Esprit Frappeur, à Alain, à tous les bénévoles pour ce qu'ils ont fait ici. Merci d'avoir été là. Thank you very much. Avec plaisir. Bye bye. Et vive les concerts!